Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un tuto comment jouer avec l'équipe nationale du Japon sur FIFA 23. J'ai tout simplement recréé l'équipe du Japon sur FIFA. Les voici en bleu avec une couleur donc assez logique pour le Japon. On va refaire quelques petits changements, j'en profite hein, en même temps d'être avec vous. Donc là, par exemple, on a recréé le Japon avec Minamino, Ito, Doan, Kamada, Ando, Ikatura. Voilà, j'ai pas retrouvé le gardien par contre. Et sur le banc de touche, Kagawa, Tanaka, Ueda, Mada, Yoshida, Shibazaki, Kubo. L'équipe du Japon a quand même un peu décliné au niveau des notes globales. Hein. On a pu certains joueurs qui sont partis à la retraite. Hein. Je pense à Sakai qui jouait à Marseille, on l'a pu. On avait des joueurs comme Iwobi, tout ça. Je crois qu'ils n'y sont plus. On avait putain, des cracks, mais je me souviens même plus. Mais en tout cas, cette équipe a perdu quelques joueurs qui sont partis à la retraite. Mais il y en a encore des bons. Hein. Et donc, je l'ai créé cette équipe du Japon dans l'équipe Al Hilal de la Ligue Arabie Saoudite que je me sers pas forcément. Pour les ajouter, tous les joueurs de cette équipe du Japon, vous les recherchez dans les joueurs présents sur la base de données de FIFA. Et vous faites donc, bah, si vous êtes sur clavier, rechercher par nom, vous tapez le nom des joueurs et vous les ajoutez un par un. Faites bien attention qu'en bas à droite, ça soit bien le même club que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est Al Hilal. Et j'ai tous les joueurs du Japon avec leurs notes. Hein. C'est Kamada qui a la meilleure note hein, pour les joueurs que j'ai trouvés japonais sur FIFA. Et donc, après, dans la compo, vous, pour que ça soit le plus réaliste possible, essayez de mettre la bonne compo, les bonnes strats en place pour retrouver une équipe plutôt logique que vous pourrez jouer. Donc, en Coupe du Monde, par exemple, vous pourrez faire la Coupe du Monde avec le Japon. On va peut-être la remonter un peu dans la surface. Vous pouvez jouer tout ça. N'hésitez pas à regarder sur internet la compo actuelle du Japon et tout. Pour que ça soit le plus logique possible, on fera une simulation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc, on va recréer toutes les équipes manquantes. Et il y en a, je peux vous le dire, au niveau des pays sur FIFA. Je sais qu'il y aura un mode Coupe du Monde qui sera créé, mais il sera créé peut-être une semaine avant la Coupe du Monde. Nous, on va faire des simulations, tout ça pour les vidéos sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça sur la chaîne YouTube en vous abonnant, en nous rejoignant. Pour kiffer, c'est gratuit en plus, en activant la petite cloche des notifications et en vous abonnant à la chaîne. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, notamment sur FIFA 23. Retrouvez toutes les vidéos FIFA 23 dans la playlist FIFA 23, c'est tout simple sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté, on l'actualise souvent. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles petites astuces. Ciao, ciao, à très bientôt.